Et salut tout le monde, c'est Jordan, bienvenue à toutes et à tous dans ce 17ème, cette 17ème case, pardon, de le calendrier de l'Avent de la chaîne Casu. J'espère que vous êtes surpris. Surprise! C'est la fin de notre jeu sur Catch the Stars. On a fait la dernière fois les niveaux 26 à 36. Clairement, on avait galéré comme des tarés. Cette fois, on va terminer ce jeu, une bonne fois pour toutes. Et on va essayer de s'y donner à fond. Allez, on est parti. Réfléchissons. On va déjà isoler les étoiles qui vont clairement nous gêner pour la suite. Parce qu'il risque d'y en avoir plusieurs. Voilà, par exemple comme celle-là. Touc. Touc. Et voilà, pupis. On continue. Wow. Oh mon dieu. Il y en a beaucoup. Tic. Alors clairement, lesquelles vont pas avoir d'impact. Celle-là, par exemple. Elle va avoir aucun impact. Celle-là va me permettre d'en débloquer d'autres. Celle-là, elle n'a aucun impact et en plus, elle va gêner les autres. J'adore la musique un peu toute douce. C'est mignon tout plein. Là, clairement, j'aurais pu faire la jaune, mais le problème, c'est en fait, j'aurais dû libérer celle-là. J'étais stupide. J'ai été très stupide. Donc, on recommence. Alors, attendez. Tac, tac. Et là, en fait, au lieu de faire celle-là, on va faire d'abord... Ah bah non, je me bloque quoi qu'il arrive, en fait. Je me bloque quoi qu'il arrive. En fait, il faudrait que je la fasse plus tôt, mais en même temps... Est-ce que je peux... Bonne question. Parce que là, du coup, je me bloque. Je me bloque naturellement. Bon sang de bonsoir. Et en fait, il est pas si simple que ça à ce niveau. Il est clairement pas si simple que ça. En fait, il n'y a que cette possibilité-là qui s'offre à moi pour le moment. Parce que même les vertes, je peux pas les déplacer pour l'instant. Là, par exemple, celle-là. Je peux faire ça. Mais ça va gêner. Ça va bloquer, de toute façon. Donc, il faut que je la mette après. Sauf que j'ai les jaunes aussi à déplacer. Donc, ça veut dire qu'il faut que je bouge les vertes plus rapidement. Donc ça veut dire qu'il faut que je bouge les jaunes plus rapidement. Aïe. Ah mais non! Suis-je idiot? Là on est bon. Là je peux déplacer les jaunes. Tac.
Là, du coup, je mets les vertes. Je mets la blanche. Et la deuxième. Ok. Ça y est, on y arrive. Aquila. Bah, c'est la même. C'est la même galère. Purée, il y a tout qui s'entrecroise. Celle-là, elle n'a pas l'air d'avoir d'impact sur les autres. Celle-là, elle va en avoir. Des blanches, c'est qu'elles me gênent toutes en fait. Elles sont toutes ultra gênantes. Ah, attendez. Celle-là, ok. Non, elle est pas si gênante que ça, parce que... Ouais, non, si, elle est gênante. Faudrait que j'arrive, en fait, à déplacer celle-là. Celle-là, faut que je la mette en dernier. Parce que sinon, elle va tout me bloquer. Mais oui, j'ai celle-là. Elle est intermédiaire, donc elle va me permettre. Hop. Du coup, je peux débloquer celle-là. Celle-là, surtout pas. Celle-là, je vais pouvoir me la débloquer. Ça, je vais pouvoir au moins faire ça. Alors, attendez. Je réfléchisse bien et correctement. La jaune, elle gêne pas. Hop. Hop. Et hop. Capricornus. Le Capricorne. Il y aura un poulet. Ok. Ah, changement d'environnement. On doit être dans les derniers niveaux. Pas proche des derniers niveaux. Est-ce qu'il y a une étoile qui ne gênerait pas les autres? Les jaunes, ça pourrait le faire, mais non, je suis bloqué aussi. Alors celle-là, elle a pas d'impact. Celle-là, je vais pouvoir la mettre là. Ce qui va me permettre... de faire ça. Déjà au moins, à minima. Boubidou. En fait, faudrait que je bouge la jaune. Et pour ça, faut que je bouge les vertes. Et du coup, je vais me bloquer. Je vais me bloquer automatiquement. D'accord, ok, je viens de voir mon erreur. Alors, attendez. Rappelons-nous, déjà. Déjà, on va mettre celle-là. Celle-là, on va l'enlever. Comme ça, on va la débloquer celle-là.
Ah mais non. Celle-là, elle me gêne quoi qu'il arrive. Alors que là, si je la mets dès le départ comme ça, il y a moins de soucis. Ensuite, on va mettre celle-là. Celle-là. Celle-là, du coup, elle me bloque pas. Celle-là, pareil. Alors, attendez, je réfléchis. Les jaunes, je peux pas encore les activer. Là, les vertes, je peux les débloquer. Jaune, pareil. Tac et tac. Céphéus. Ok. On avance bien. C'est colossal, mais on avance bien. Pour que les vertes n'aient aucun impact, il faut que je débloque celui-là, mais pour ça, je dois débloquer d'abord celui-là. Ophiuchus. C'est le truc trop imprononçable. C'est moi, je viens de balancer toutes mes cartes maîtresses. Ah non, d'accord, ok. Si, je viens de balancer toutes mes cartes maîtresses. Ok, je viens de voir mon erreur. Donc ça, je le débloque. Ça, on est bon. Ça, il faut que j'arrive à le bloquer, à le débloquer assez rapidement. Donc ça va être le premier que je vais faire, comme ceci. Ce qui va me permettre... Pouf, 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 tac, et tac. Ouais, c'était l'étoile longue qui dirigeait les autres. Grus, route. Waouh. Celui-là aussi, hein. Celui-là aussi, il est... Il est bien corsé, hein. Alors, si je débloque celui-là, il va me bloquer le reste. Comme d'habitude, elles sont toutes amorcelées les unes derrière les autres. Faut que je me débarrasse de celle-là assez rapidement. Pour ça, il faut que je me débarrasse de celle-là, et pour ça, il faut que je me débarrasse de celle-là. Donc, là, on est bon. Ensuite, laquelle je désactive en première? Si je désactive celle-là, elle aura de l'impact sur celle-là. Je pourrais pas la débloquer. Pareil, celle-là, du coup, elle a de l'impact sur celle-là, donc au fond... ça part dans tous les sens. Celle-là, d'abord. Ensuite. Tac. D'abord celle-là. Mmh.
celle-là, je peux la débloquer maintenant. Ça me gêne pas pour ça. Ok. Hop. Et on est bon. Karina. Alors... Oh la vache. Celui-là aussi, il est bien hard, hein. Il est bien hard. Clairement. Voilà. Oh, pas simple du tout. Pas simple du tout. Celui-là, pareil, il sera dans les derniers. Oh, l'erreur fatale. Erreur fatale. Juste une erreur. Une erreur et c'est vache, mais on est bloqué. On est totalement bloqué. Ouais, en fait, j'ai fait même deux erreurs. Deux erreurs stupides. Regardez. Hop, pouf. On est pas bon. Bon, et bah écoutez, je vais vous reprendre dans quelques instants, juste le temps de faire un truc, et je reviens. A tout de suite. Recoucou tout le monde, ça y est, j'ai trouvé la solution. Il suffit de suivre les étoiles dans leur logique. Si je me trompe pas, ça doit être ça. Tac. On libère ensuite celui-là. Ce qui permet de libérer... Non, c'est ça. Tac. Je libère les jaunes qui permettent pas tout de suite de libérer les vertes. Et on termine par le dernier. Comme ceci. Cygnus. Oh la vache. Yes. Ils sont tous bloqués les uns avec les autres. Même les jaunes, du coup, ils vont gêner si je fais ça. Ok, alors. Je regarde, hein, je regarde au fur et à mesure. Si je libère celui-là maintenant, il va bloquer celui-là. Si je le débloque là maintenant, il va me bloquer. Ah ! Là, par exemple, celui-là, il va pas me poser problème pour que je le libère. Celui-là non plus. Celui-là non plus. Les jaunes, en fait, on va devoir les libérer en dernier, si je comprends bien. Quasiment en dernier. Quasiment en dernier. Ben non. Ah, je me suis fait avoir. Pouf. Ok, alors on recommence. Ah mais oui, suis-je bête? Rien ne m'empêche d'appuyer deux fois sur le blanc.
Alors attendez. Donc, tac. Donc là, on va le lâcher une première fois. Puis ensuite, cette étoile là. Celle-là. Et les deux jaunes. Et celui-là. Pas vous. Ok. Alors attention, attention, attention. Pas que je me fasse avoir. Ils ont tous plus ou moins de l'implication les uns dans les autres. Il faut que je sois vigilant. Le problème, ça va être toujours la même chose. Ah, attendez. Là, il gêne pas pour l'instant. Du coup, je peux libérer celui-là maintenant. Comme ça, cette étoile-là ne devrait pas gêner non plus. Bingo. Par contre, celle-là, ça va bien m'emmerder. Celle-là aussi va bien m'emmerder. Ah, personne me gêne. Je peux faire OK. Là aussi, personne me gêne. Tout droit jusqu'au matin. Les puces. OK. Proche de la fin, on est proche de la fin, mes chers amis. Wow. Ah. Vers l'infini et l'au-delà. Les vertes m'ont l'air soft, mais en même temps, j'ai une jaune qui bloque une verte. Pour le moment, c'est pas la meilleure idée. Après, je peux déjà libérer cette blanche-là. Peut-être décaler tout. Ouais, ça me décale une partie. Ah, ok. Là, je peux libérer les jaunes. Elle dérange personne de cette manière. Les vertes, je peux les libérer. Celle-là. Pas tout de suite. Je peux libérer celle-là. Je peux libérer celle-là. Pareil pour celle-là. Excusez-moi. Hop. Et hop. Pegasus. Ah, génial, génial, génial. Alors, les jaunes. On va tenter. On tente des trucs, hein, de toute façon, on n'a plus rien à perdre. Mon cerveau est complètement bouilli. Vroombidou. Quoi? Pourquoi? Pourquoi? Je suis tout bloqué en fait. Je suis complètement kéblo. Ah, attendez, réfléchissons à nous. Énorme. Alors, tic 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 tic. Ouais, ok, je vois. Celle-là, elle gêne pas. Du
coup, ça va me permettre de libérer celle-là. Ah mais non ! Ah mais non, mais non, mais non, mais non ! Recommence. Hop. Est-ce que les jaunes, je les libère maintenant ? Ouais, je les avance au moins d'une case. Ça, du coup, ça vire. Ça, on est bon. Ça, ça va me permettre donc de libérer celui-là. Qui va libérer celui-là? Qui va me permettre de libérer celui-là? Non! Ah, mais la connerie, c'est pas possible. Pouf. Non, toujours pas. On va y arriver, hein. On va y arriver. Là, on peut avancer les jaunes d'une case. Ce qui va me permettre de libérer celle-là. Qui va me permettre de libérer celle-là. Qui va me permettre de libérer celle-là. Les verts, donc je vais pouvoir, voilà, tac, yes, le phénix. On n'y est pas loin, on est proche de la fin, les amis, on est proche de la fin. Ok. Voilà, il y a tout qui se croise à l'infini. Ça n'a plus aucun sens. Il y a tout qui se bloque, en fait. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Est-ce que je débloque quoi que ce soit? Non, tout est encore ultra bloqué. Celui-là, il a l'air de gêner personne. Il va aller dans son coin. Ok. Celui-là aussi a l'air de gêner personne. Dans ton coin. Ça me libère cette étoile-là. J'ai pas d'autre étoile à libérer. Si, il y en a une autre. Mais elle va peut-être me servir de levier pour en désactiver, pour en activer une autre. Pour l'instant, on s'en sert pas. Les bleus. Ouais, bingo, c'est là où la bleue du coup elle va me servir. Les jaunes. Elle gêne pas. La blanche, hop. Ah! Si! D'accord, ok. Si. C'était gênant. Tac. Tac. Ouais. Donc celle-là, faut que j'y fasse gaffe parce qu'elle est... elle peut devenir très vite gênante. Pour libérer la bleue, ouais, faut que je libère celui-là aussi. Attendez, je réfléchis très exactement, hein. On va éviter de se faire avoir comme des bleus. Pouf. Jaune, on lâche. Celle-là, on la lâche aussi. Et voilà, Cétus. À ne pas confondre avec fœtus. En fait, il y a tout qui se jonche.
Y a pas un truc qui se jonche pas là? Genre les jaunes? Alors les jaunes aussi, elles sont dépendantes de ça. Il y en a forcément une qui ne doit pas avoir d'impact sur les autres. Pas un seul qui n'a. Ah si, celle-là. Ok. Parce que j'étais en train de me dire, non mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Alors. Les jaunes. Là, je me retrouve bloqué. Là, je me retrouve bloqué. Plouf. Là, les jaunes, je peux les libérer. Ce qui va me permettre de libérer les bleus. Ce qui va me permettre... Là, les deux vertes, on est bon. Et la dernière, Taurus. Ça, c'est mon signe, parce que je suis un taureau. on est au niveau combien, là, sans indiscrétion? Que je regarde à peu près ce que... On doit pas être loin. Ah bah ouais, le 50, ok, on est au dernier. Super, allez, on termine ça. Termine ça, ça pourrait être sympa si on y arrivait. Plusieurs jaunes. Pourquoi il y a trois jaunes d'ailleurs? Je viens de faire une connerie là. Je viens de faire une connerie. Je viens de voir. Alors en même temps, est-ce que je peux faire autrement? C'est ça la question. Est-ce que je peux faire autrement? Ben oui. Ok, donc ça déjà c'est débloqué. Pendant ce temps-là, donc je vais pouvoir faire ça. Tac, touc, 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 touc. Là normalement les jaunes, je peux les libérer, c'est pas gênant. Les vertes. Ah ! Crotte. Les bleus, on est bon. Les jaunes. Et d'abord, il faut que je libère celle-là. Donc, on libère les jaunes. Pouf, pouf. Celle-là m'a l'air d'être ultra prioritaire, parce que sinon les vertes, je peux pas les libérer. Les vertes, on les libère. Tac, tac. Hop, celle-là. Et celle-là. Yes, Léo. Ouais. Notre petit chat s'est bien amusé. Hop, on repart en voiture. Et on rentre à la maison. Ok, et ben voilà, écoutez, c'était ce petit jeu très très sympathique, très très sympa, j'ai beaucoup aimé Catch the Stars, merci aux développeurs qui ont fait ce jeu, qui nous aura occupé une bonne petite heure de vidéo, j'espère que ça vous a plu, je continuerai à repérer des petits jeux comme ça, des jeux indépendants, où on a besoin quand même de faire travailler un petit peu notre cerveau. C'était donc la 17e case de ce calendrier de l'Avent de la chaîne Casu. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller checker les 16 autres cases si vous en avez loupé certaines. Et on se retrouve demain pour une nouvelle surprise. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à ciao, bye.